Et c'est les retrouvailles avec mon cousin que je n'avais pas vu depuis 25 ans et sa fille. Et puis le plaisir avec le bateau copain Touka de trouver une bonne boulangerie française. Aujourd'hui, plutôt que de faire un apéro avec les bateaux copains, on a fait un petit déjeuner. Bon, c'est fini. Hein. Donc, il y avait Touka, Krishna et Lady Banana. Donc, du coup, techniquement, en fait, ce que tu fais, c'est que tu tapes les chenilles, les canaux. Donc, quand tu vas vers le nord, pas oublier de prendre en compte les 30 degrés de péril. Et nous, on va te décharger. Tu viens d'aller au marché, là. Tu pars des unis pour aller à l'eau, mais tout droit. L'épave Edith Cavell. Tout historique. Ouais. Et juste là, quelques mètres de notre mouillage. Le transfert entre la France et la Guyane. Il s'est échoué sur un rocher. Oh. Oh. Et là, il a arraché la coque en essayant de le retirer. On va voir la taille des arbres. Saint-Laurent-du-Maroni est une commune pénitentiaire. Le bagne s'organise sur deux grands axes où sont bâties l'administration et les cases des bagnards. Ils étaient transportés en Guyane pour une peine de travaux forciés suite à un délit grave. Un pouce-pouce. Les bagnards essayaient de faire une voie ferrée jusqu'à Guyane qui n'a jamais abouti. Le relégué était condamné à vivre en Guyane suite à une peine légère. Après leur détention, les transportés devenaient libérés et restaient en Guyane sous contrôle le même nombre d'années que leur peine. Voici la pompe et le lavoir. Les murs étaient recouverts de couleurs, en haut avec de l'argile, en bas avec du charbon, et si les bagnards s'appuyaient dessus, ben ça se mettait sur leur peau, et donc ils étaient punis, on allongeait leur peine. Dans le blocos, ici on mettait jusqu'à 80 bagnards, ils étaient enchaînés la nuit par un pied. Tout était fermé, donc il faisait extrêmement chaud. Et ils n'avaient qu'une heure le matin pour venir à la toilette ici, avec le seau qui se trouvait en dessous. Et le seau était changé tous les 3 jours pour 80 personnes. Les condamnés politiques pour espionnage et trahison étaient déportés aux îles du Salut. La guillotine mobile est installée pour les condamnés à mort. L'exécution a lieu à l'aube et le bourreau est un bagnard volontaire. Et en dessous, on peut remisser. Bon ben, salut hein, Thibaut. Merci madame. Là ça va, c'est possible. Il y a la canne en dessous. Oui, oui, c'est bon. Et en dessous, ça va, c'est confortable. Parce que au-dessus, c'était bien pire. Tu veux pas faire un petit essai au-dessus? Eh non. Oh, dis, arrête. Après. Je peux goûter? Oui, tu laves après, tu mets. Mes amis? C'est tes amis? Concombre, c'est 2,50 par l'eau. Et la piscine de Saint-Laurent-du-Maroni, 25 mètres en plein air. Génial!
Un iguane à la piscine. Oh mince, je suis à pleine nuit, il y a plein de nids de fourmis. Recule, 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 il est pas content. Il a très... En fait, il a peur, tu vois. Donc il va se défendre. Là, on est trois, il est pas... Tu vois la queue? Ah, il a plus fait. Les jeunes d'ici nous ont dit qu'ils donnaient des coups de queue pour se défendre. Les voitures nous ont indiqué la zone, ce qu'on craignait. Oh. Alors nous sommes arrivés au marché de Javoué, au nord de Saint-Laurent, pas très loin de l'Atlantique. Marché réputé avec une population très métissée d'origine asiatique, donc chinoise, depuis très longtemps. Le plaisir des couleurs, tout pour les yeux. Des toutes petites bananes, pas plus grandes que mon doigt, que mon pouce. Et voilà, on goûte la fameuse soupe. On goûte la fameuse soupe mangue. C'est délicieux. En fait, ça ressemble à un ramen, comme on dit chez nous. Soupe asiatique. Trop bon. Je m'enfonce. Si ça appuie sur moi, je m'enfonce dans la vie. Ouais. Waouh! Il est arrivé là, son leurre! Bien essayé! Parce que s'il rate encore son coup, ça tombe sur ta tête! Ici. Mets ton doigt. Ah ouais, là les dents, mets ton doigt sur les dents là, tu vas voir comment ça coupe. Vas-y, sens. Là, c'est coupant. Oui. Ah ouais. T'as même pas le doigt de participer. Ouais, c'est un vrai piranha. Ouais. Tu l'as pêché ici? Oui, je viens de la. Mais je viens de nager moi là. Il n'y a qu'une fois où j'ai un copain qui s'est fait mordre dans un pirail comme ça, c'est en remontant un filet. Ouais. Le pirail était pris dedans, il a bouffé la peau là, il a arraché toute la chair de la cuisse. S'il est vivant, il ne faut pas trop s'approcher. Non, pas ton doigt, quoi. Ouais. Ah sinon, oui, ça, oui. C'est comme les tortues. Les tortues si, ouais, si on joue avec, ça te ferme le doigt et puis tu ne peux pas retirer. Ouais. Non, non. Ouais. Ah c'est bon. La même chose que les tortues. Ouais. Et c'est bon comme oui, oui, très très bon, ouais. Ah très, bon très délicieux, ouais. Régalez. Bonjour. Vide ponton, vide bateau. Aujourd'hui, on transporte 200 litres de diesel en bidon. Là, on a déjà 100 litres. On va encore en faire après. Et je ne sais pas combien de kilos de course parce que c'est essentiellement du sec et des boissons, donc c'est très lourd. Et puis après, on fera je ne sais pas combien de centaines de litres d'eau aussi en bidon. Ça, c'est les journées les moins drôles. Elle est fraîche. Pour une fois, l'eau est fraîche. C'est de ne pas glisser.
à la Creek Tattoo, the sandwich fait par Lucille. Montre un peu. Oh là 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 là. Bon appétit. Bon appétit. Le cadre est bien aussi. Avec Lucille, ils ont un petit copain qui nous font les sandwichs. On a vu en 4x4 hein, jusqu'ici, il valait mieux. Hein. D'accord. Ça, ça tombe dessus, c'est content. Ah, les... Donc il y a des gens, ils mettent ça. C'est pas des poils, c'est des picots. Ça. Ils mettent ça par exemple à l'entrée des. C'est des picots, ça. Ouais, 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 ça c'est un. Comment ça s'appelle? Palmier Awara. Palmier Awara. Et celui-ci aussi. Ouais. Bah, il est pas sympa là. Non. Comment ça s'appelle, t'as dit, David? Des belimbis. Belimbis. Des remboutants. Il y en a au sol. Il est pourri. Mais là, il y en a un, là, je l'aurais bien emmené parce qu'il est bientôt mieux. Ah bah, prends-le, hein. Il va jaunir à la maison. Hein. Tu savais pas que ça poussait dans les arbres? Mais j'en ai jamais vu encore un vrai en pleine nature. Tout ça, là, c'est des ananas, regarde. Ah, au pied de cet arbre-là, ça aussi, ça va faire des ananas. Tout ce qui est... Joli, là. D'accord. Il est droit il là. Est dedans, il est dedans. Oui. J'en ai déjà vu dans des cultures, quoi, mais jamais. Ouais, bon. Elle est très allongée comme ça. Elle est où la grosse nourrice? Ah oui? Bah, ça alors, elle est drôle. Elle est où? Je vois même pas. À partir de 1860, Saint-Laurent-du-Maroni est bâti par et pour les bagnards. D'architecture coloniale, elle se divise en trois quartiers, le quartier officiel, la ville coloniale et la ville carcérale. Alors, ce soir au restaurant Saint-Jean, nous allons tester la coupa, poisson de la rivière. Et, alors là, celui-là comique, c'est le jamais goûté. Et pourquoi jamais goûté? Parce que tu l'as jamais goûté. Ça, là, c'est la viande de bois. Viande de bois, c'est une sorte de cochon sauvage, un petit sanglier, c'est ça que tu disais, Lucie? C'est la viande de bagou. Avec un petit piment léger. Enfin, ouais, paraît c'est très léger, ça. Ah, ouais. J'ai pas touché à ça. Avec mon titi, mon cousin, ma petite cousine, toute petite cousine. Et voilà, voilà. On vient de quitter Saint-Laurent-du-Maroni et notre ancrage à la Bouée. On y sera resté 10 jours. Impeccable. On redescend le Maroni jusqu'à l'embouchure. On va s'ancrer juste avant la sortie dans le Maroni. Rangement des amarres qui ont servi à l'ancrage à la Bouée. Là, c'est une petite nappe de 2h, 2h30 au moteur. De Saint-Laurent. On voit d'autres bateaux qui sont aussi là, à la Bouée. Très belle escale. Ça vaut le coup.
on descend le Maroni vers la mer, vers l'océan.